On se retrouve mais ça fait un petit moment sur une vidéo sur The Turing Test. Ouais. Donc ça faisait longtemps en fait que j'ai pas pu faire de vidéo, mais parce que sur PlayStation ça buguait tout le temps, YouTube et tout, broadcast machin. C'était extrêmement chiant. Et donc là, avec la dernière update en fait de la Xbox One. Voilà, vu qu'il y avait la caméra, tout ça, donc j'ai acheté une petite caméra à 10 € pour Skype. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de faire ça, de faire tout, mais sur la Xbox. Vu que, bon, maintenant. Attendez, je réponds à un message en même temps. Vu que maintenant, en fait, il y a la caméra. J'ai un nouveau casque aussi, donc au niveau du son, ça devrait être encore mieux qu'avant. Et après, au moins la Xbox, ça bug pas, du moins pour le moment. Donc j'essaierai peut-être de refaire aussi des vidéos sur PlayStation 4 si jamais ça bug pas. Mais c'est vrai que l'année dernière, donc ça fait au moins un an et demi je pense, que ça buguait. Et donc je vais essayer peut-être. Ouais, je vais essayer avec YouTube sur PlayStation 4, mais je suis pas sûr que ça marche. Donc je peux pas en fait vous dire à 100% si ça remarchera ou pas. Attendez. Donc voilà. Switch user. Bon, on va faire New Game. Hein. Alors, c'est pas vraiment un jeu que j'ai pris comme ça. Je connais pas. Hein. Enfin, je connais pas. J'ai vu des images et tout à l'époque. Je crois que ça fait un an, à peu près. Ah, j'ai dit des conneries. Je crois que j'ai dit des conneries. Non, ça fait que le jeu il vient de sortir, peut-être. Il vient de sortir au Japon, le mois dernier. Je crois qu'il était sorti peut-être un petit peu avant en Europe et aux États-Unis. Il me semble que c'est un jeu de Pulse dans l'espace. On est dans une navette spatiale. Donc, je sais pas si je vais aimer. Donc, c'est vraiment juste pour tester au niveau du live et tout, de la voix, du jeu, de la musique du jeu. Bref. C'est juste histoire de tester. Donc, là, en fait, je suis en live sur Mixer. Donc l'application Mixer, je sais pas comment ils appellent ça. Donc l'application en fait de Microsoft, l'entreprise qu'ils ont rachetée, donc avant s'appelait. J'ai oublié le nom. Mais c'est pas grave. En tout cas maintenant ça s'appelle Mixer et ça appartient à Microsoft. Donc on va se mettre dans l'ambiance spatiale. Morning, Eva. C'est en anglais, vraiment. Your wake-up has been sanctioned by the ISA. We lost contact with the ground crew 450 hours ago. We have tried to establish further communications, but we are not getting any responses. We need you to investigate. Okay, doesn't it make sense to do visual checks first? We have already looked at the data. The ISA has made the executive decision that you report to the surface post haste. You are our emergency response. What exactly is the emergency? The ground crew found an organism the ISA believed to be dangerous. We need to re-establish communication. Ok. Bon alors apparemment il s'est passé quelque chose sur Terre et on doit rétablir la communication et voir ce qui s'est passé. C'est quoi ça? Hein?
donne pas envie de boire dedans, dis donc. Alors si aussi le live coupe, ce qui peut arriver, hein, il faut que je m'en rende compte déjà, mais j'ai le petit truc en bas à droite qui m'indique que ça fait 5 minutes que je suis en train de laver. Mais si ça coupe, je reprendrai directement. Ça peut peut-être couper parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de grosses connexions. Donc voilà. Attendez, juste 2 secondes. J'ai regardé un truc en fait au niveau de la diffusion pour voir si c'était possible de changer la résolution et tout, mais apparemment non. Donc je pense que ben, c'est juste ça en fait la diffusion. Ou alors peut-être que je peux le faire, mais sur les paramètres de mixeur, sur le website, enfin sur. C'est une jolie erreur ça, dis donc. J'espère qu'il n'y a pas une énigme avec ça parce que sinon on est dans la merde. C'est quoi ça? Tom Touch OS. C'est un nouvel OS. C'est le Tom Touch. Ouais. Pick up your J'espère que vous n'allez pas EMP. vomir. It's on the side. Parce que vu qu'il y a le motion blur activé. Ouh, c'est vrai que ça se ressent un petit peu. Okay. We are going to take a lander to Europa. Make your way to the docking station. C'est quoi ça? C'est un flingue? Ah. C'est pas moche, hein. C'est loin d'être moche. Si, je sais pas si j'avais précisé, mais on est sur Xbox One S. Donc pas la Xbox One normale, pas la Xbox One X, mais la Xbox One S. Ok, donc là on revient à l'endroit de tout à l'heure, ok. On va aller à droite. L'office. J'espère que la vidéo sera pas trop grosse parce qu'après il faut que je la télécharge en fait du site mixé là ou mixeur. Et il faudra que je la mette sur YouTube une fois téléchargée. Je crois qu'il y avait un truc en bas mais non il n'y a rien. Ce serait marrant que d'envoyer un email en fait à ces adresses-là pour voir si ça marche vraiment. Ok, donc ça c'est Docking Station. On va aller là. Pour l'instant, je peux qu'avancer, je peux que sauter, hein. Donc devrait y avoir, mais peut-être là, des phases dans l'espace. On saute pas haut quand même. C'est bizarre. Hein. C'est vrai que c'est bizarre parce que dans l'espace. I have performed the necessary checks. The Europa lander is ready to launch. Ouais, c'est bizarre. Peut-être la combinaison est extrêmement lourde, je sais pas. J'ai jamais mis une combinaison de cosmonaute. I think that's everything wound up, Tom. Yes. Well, I guess I'm ready to go down for the long sleep then. Good night, Ava. I will miss your assistance. The ship will be very quiet without you here. Night. See you when I wake up, Tom.
Donc ouais, c'est fait cryostaser et vient de se réveiller apparemment. Residuals before nulling. Minus 02, minus 04, minus 01. X and Z null to zero. Looking good. Okay, good. Horizon check right on time. How's things, Christopher? Good. I am go for power descent. I can confirm. You are go for power descent. Roger that. I am running the PDI program. 80 degree delta pitch to 88 degrees absolute. Braking procedure. Engine 1 ignition. Engine burn. Suppressing 400 alarm. Bound. The landers are ready. Good. Thanks, Tom. You okay now, Sarah? Yeah, I think so. Thank you, Daniel. I've done this before. I'm sure you'll be fine. It's just another 10 years of my life. Okay. Okay. What? C'est quoi ce truc? Pourquoi il y avait de la lumière et quand je suis approché, la lumière a disparu? Très étrange comme machin. Je sais pas en fait s'il y a un truc à faire dans le jeu. Peut-être que si ça se trouve, on va juste visiter la station. Et c'est une histoire en fait qui va nous être contée. Peut-être que c'est ça. Je sais pas vraiment. Sympa. Un petit effet de lumière. Voilà, on est dans l'espace. Bay 3. Bay 3. Donc faut aller à ce truc vert. Donc on va aller aux autres. S'il n'y aurait pas des trucs à choper. Le Tom Touch OS. ESA. Enfin, ISA plutôt. Ou ISA. C'était pas le nom ISA. Il n'y avait pas un truc comme ça dans Dead Space. ISA. Non! Non, c'est Killzone, je crois. L'ISA, je crois que c'est. C'est pas les mecs dans Killzone, ISA. La faction, en fait, terrienne. Je crois que c'est Killzone. C'est de la rouille ou du sang, ça? C'est de la rouille. Ça serait marrant qu'on trouve des trucs genre aliens et tout. Même si j'ai des doutes là-dessus. Oh. C'est pire qu'un avion ce machin. Putain, c'est Goldorak le truc. Guidance? Go. Control? Go. Telcom? Go. Then we are go for launch, initiating. Zephyr. En fait, c'est ça. Tom, c'est une IA apparemment. Engaging retrofire. Intelligence artificielle. I'm running the program. 80 degree delta pitch to 88 degrees absolute. Braking procedure. Trajectory looks good. 502 alarm. It looks like we're coming in too fast. We are slightly short of the landing site. We are going to have to burn late. Ouais. Go. Full retrograde. Tu déconnes. Open the door. Ah. Welcome to Europa. Je pensais que ça se passait en fait dans l'espace tout le temps. Sur ça, je suis
suis assez bluffé de voir qu'on arrive sur une sorte de planète avec une station. Ah ouais! Ça, je savais pas. Ouais. Bon. Apparemment, hein, y a la force du mur invisible qui nous bloque. Donc on va aller dans notre petite station Europa. How long will my suit survive these conditions? At 100 degrees Kelvin, a couple of hours. We should get inside. Apparemment, il fait très 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 froid. Ok! Les loadings qui arrivent comme ça, ils te pop à la gueule en fait. C'est des screamers les loadings. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Tu passes le seuil de la porte et paf, loading! C'est pas. C'est très brut en fait quand même. Ils auraient pu faire ça un petit peu plus gentiment. Je n'y attends pas du tout quand même. Je sais pas, j'aurais une porte, des trucs comme ça, mais là tu vois le couloir. T'as l'impression que tu peux aller direct, mais non. Un loading dans ta face. Comme un petit screamer. C'est innovant, moi. Loading screamer. Bon, pour le moment, c'est pas très folichon, mais ça peut s'améliorer, franchement. S'il y a pas mal de trucs au niveau d'histoire qui arrivent par la suite, on va voir ça. Un petit peu longué les loadings. C'est vrai que ça faisait 16 minutes. On avait 16 minutes sans loading. Mais c'est un petit peu long quand même. Ah putain, mais c'est ça, c'est une arme. Waouh. Mais c'est un FPS. Ah non, c'est pas une arme en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, c'est un jeu d'horreur ou quoi? What do you mean? The base was originally constructed as modular to withstand the seismic activity in and around Thera Magula. It appears the ground team have manipulated these modules. Or c'est une sorte de portal. Ok. Je vais le mettre là. The base was built initially by machines. I served as the mind of these operations. I arrived first on Europa in 2240. It costs a lot to send humans into space with the necessary life support, especially such a vast distance from Earth. So, robotics built this place. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais ce jeu, en fait, c'est le jeu gratuit pour le mois d'octobre sur Xbox. Enfin, du moins, le Xbox... Bah si, si, c'est pareil au Japon et aux États-Unis, en Europe, il me semble. On va prendre le cube. Là, c'est LD. Oh, oh. D'accord. D'accord. I wonder why the ground team has changed these rooms. I have a hypothesis. These rooms are Turing tests. Turing tests? Turing tests are tests designed to tell humans and machines apart. Typically, problems only solvable by a human. A combination of logical and lateral thinking. So, you can't complete these tests, Tom? No. That is why I am glad you are here to help. We need to work together. Ok, donc c'est bien les tests. En fait, c'est Portal, en fait. C'est Portal. D'accord. D'accord, d'accord. C'est des tests qui sont seulement faisables par des humains. Donc on se retrouve en fait dans une sorte de portal. Ok. Alors déjà je crois qu'on va être bloqué. Alors attendez.
va falloir amener le machin, le cube. Le cube de portail, il faut l'amener ici. Sauf que là, il y a déjà un cube. Et il y a déjà un cube. Est-ce qu'on peut retourner là-bas? Non. Un trou, y a pas d'écran, enfin de vitre. D'accord, c'est bon à savoir ça. Putain, là tu peux être bloqué, hein, franchement. Au niveau de la mécanique, c'est assez chelou. They really have completely repurposed these rooms. I am quite impressed. So, what were they used for before? Most of them were used for storage, but they have converted them beyond recognition. Perhaps they ran out of things to do out here. The devil makes work for idle hands. C'est quoi ça? Ah, d'accord. C'est pour changer là où va l'électricité en fait. Ok, donc si je fais ça, ok, pas de problème, monsieur. Ok, donc là on arrive en bas, logique. Ah, c'est peut-être sympa, ouais. Un petit côté portal. Ok, donc là il n'y a pas de vitre. Là il y a une vitre. Même un grillage. Donc je suppose que si ça je le prends, ça va se fermer. Et ça, la boule. Qu'est-ce que je peux faire avec la boule? Attendez. Que je peux... Ok, d'accord, je peux tirer de loin. Ok, pas de problème. C'est qui ça? J'ai un message de quelqu'un que je ne connais pas. Personne que je connais, mais juste qui a changé de pseudo. Do you know the ground team's location? J'ai peur. The crew are deeper inside the base, it seems. They must be trying to survive. Can you find their precise location? I'm afraid not. I am working to regain control. Though I once had complete control of this base, a lot has changed in the past 500 hours. Oui, je peux pas le prendre, hein, c'est ça. Ouais. Oui, je peux pas le prendre, donc on va prendre celui du bas d'en haut. Celui du bas, hop. Ah bah non, on peut pas. Je sais pas si facile que ça, en fait. Ah merde, on peut pas le prendre, lui. Ah, d'accord, c'est un X. Et lui, on peut le prendre comme ça. Là, je peux faire ça. Mais ensuite, pour aller en haut, parce que si lui, je le prends, je suis bloqué en bas. Et oui. Donc là... Ça
sympatoche la musique. Est-ce que je peux la voir sur le côté? Genre grugé. Non. Je crois pas. Non. Ok, donc là, ça s'en va. Ah, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Par contre, c'est chaud parce qu'il t'explique pas du tout les mécaniques en fait dès le début. Hein. Ça, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? La vache? Putain, c'est chelou ça. Quand on regarde la lumière, dis donc, tout devient noir. C'est très étrange. Qu'est-ce que je pourrais faire? Attendez que je réfléchisse. Lui, je le prends. Pourquoi c'est rouge? Est-ce que je peux faire un truc d'ici? Non. Et lui, en fait, vu qu'il est derrière le mur, je peux pas le choper à partir d'un autre endroit, c'est ça? Ouais, je peux pas le choper à travers le mur. Et on est toujours espionné par Tom. Là, je peux pas retourner en arrière, il n'y a rien ici. Putain. Oh ! D'accord, bon, ça sert pas à grand chose. Mais on peut kicker en fait la boîte. Ok. Quand on prend. Ok. Ok, dès qu'on prend le truc, ça se ferme. Ok. Ok. Et dis donc, si déjà, dès le début du jeu, alors j'imagine que le jeu ne doit pas être très long parce que c'est un jeu indie. Mais si déjà, dès le début du jeu, on est bloqué, j'ose pas imaginer les énigmes par la suite. Si toi je te prends. Que je te mets là, la porte va s'ouvrir. Est-ce que je peux pas te dédoubler, genre les trucs, non? Est-ce que je peux envoyer la boule quelque part? Non plus. Donc la boule, on peut vraiment que l'envoyer dans des trucs comme ça. Ah, c'est quoi ça? Attendez, pourquoi le triangle est blanc en haut? Est-ce que c'est parce que j'ai la boule à l'intérieur? On va voir ça. Ah ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, donc je peux choper ça tout en ayant la boule. Ok. Bon, ça m'avance pas trop pour le moment, mais... retourner en haut, là aussi y'a rien. Il y a peut-être un truc que j'ai pas compris au niveau du gameplay encore, à mon avis. Au niveau du gameplay, un truc que j'ai pas compris, je pense. Est-ce qu'on peut lancer la boîte? Genre la choper de là, mais non. Est-ce qu'il y a... Attendez, j'ai regardé au niveau des commandes. Ah non, mais y'a rien en fait. Ok, d'accord, y'a rien du tout. Bon. C'est
C'était peut-être une mauvaise idée de faire une vidéo sur ce jeu. Parce que là, je peux pas passer, hein. Mais d'accord. Je peux pas passer non plus à travers les vitres. Attendez. Non mais ouais, mais non. C'est pareil, si je le fais d'ici, c'est pareil. La porte va se fermer devant moi, donc... Ouais. Couleur 1000. La vache. Bon, j'ai encore cherché un petit peu. Mais si j'arrive pas à trouver, je pense que je reviendrai une solution parce que il y a sûrement un truc que j'ai pas dû comprendre du gameplay. Donc ça sert à rien de chercher si le gameplay est pas vraiment expliqué. Les hélices ne tournent pas à la même vitesse. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'énigme? J'en sais rien. Attends, est-ce que ça, quand on le rapproche de la lumière, ça fait quelque chose? Non. Non. Donc ça c'est pareil, je veux pas l'envoyer en l'air. Hein. Sur tous les boutons, ouais, apparemment non. C'est chaud, ouais. Putain la vache. Attendez. Est-ce que je peux avoir le reflet ou un truc comme ça, non? Non. Ça c'est pareil, dès que tu retires la boule, ça se ferme. Ouais, y'a rien à faire avec ça. Est-ce que je peux tirer dans la caméra avec la boule? Regardez là-bas. Non plus. Waouh. Waouh. Est-ce que la boule, je peux la mettre ici? Attendez. Est-ce qu'on peut faire l'inverse? Ah, on peut faire l'inverse. Mais c'est ça! Je pensais pas qu'on pouvait faire l'inverse. Le con. C'est super simple en fait. D'accord. So if this base is managed by you, why can't you find the crew? The base's communication array is malfunctioning. Au moins comme ça je le saurai pour la prochaine fois, on peut intervertir les trucs. Cette dernière fois j'avais pas pu le faire, mais suivant les pièces, d'accord, on peut intervertir. Ok, donc il faudra peut-être mettre des boules partout. C'est peut-être le nombre de pièces qu'on a fini. Vache, il va être chaud ce jeu. Ok, là faut mettre deux boules. Mettre deux boules, là on a un truc chelou, c'est quoi ça?
Il y a rien ici. Deux. Attendez, il y a un autre bloc ici. C'est quoi ce jeu? Putain, les mécaniques, hein, le temps de les comprendre, c'est balèze. Ah, chapeau quand même, ils ont réussi à faire un jeu assez complexe avec des mécaniques assez assez simplifiées. Ouais, non, non. Là, je suppose que les boules, elles vont disparaître dès que je vais passer la porte, à mon avis. Je peux pas la ramener en bas, je crois. C'est même sûr. Ouais. Tu m'étonnes. J'étais sûr. T'es où, toi? T'étais en dessous. Ok, je vais hold, mais... Parce que genre, il y a un truc... Une caisse qui va apparaître. Ça m'étonnerait quand même. La vache! Il devrait y avoir une boule par là alors. C'est la seule explication. Parce que si ça je le fous en bas, ça va être pareil. Quoi? Oh! D'accord. D'accord. Alors ça fallait le trouver. What does not add up? If there was an accident, surely they'd come to find me, not try to lock me out. My instance is still resolving conflicts. I expect they have their reasons. Ah, il est pas mal comme jeu. Ah, il est pas mal. Mais ça, ça fait quoi si je le fous en haut? Ça a juste arrêté le courant? Bah ouais. Ah non, d'accord, ça ouvre la porte, ok. Ok. Sauf que si lui, je le mets là, ça va quand même s'activer, c'est ça. Ouais. Ah, et donc là, je ne peux pas choper la boule. Est-ce qu'il faut que j'inverse les deux encore? Genre, ça... Hop, on va faire ça. Ça, on le met là. Ah, ok, ouais, on peut inverser, ouais. Ok. Voilà. Maintenant, j'ai compris, c'est beaucoup plus simple. Voilà. My instance has just been updated. Sorry? I have two instances of my mind. Two separate versions. A slave mind running on the satellite. And a master running here on the surface. When the communication was cut between the surface base and the satellite, the two instances of my mind were separated. So, during all this time, all of my knowledge divided into two separate branches. I continue to learn on the satellite, and I continue to learn on the surface. I am trying to merge the knowledge to create a timeline of what's happened here. But there are incongruities between these memories. Conflicts. Oh là 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 là. Alors attendez. Le truc en fait, c'est que je vois pas. Faut juste choper les boules, d'accord. Faut juste choper les boules.
Apparemment, faut juste choper les. Ok, c'est l'inverse. Faut d'abord choper l'autre, je pense. Ah, quoique. Ah, bah c'est pareil. Ah, si, si, c'est bon. Alors, attendez. Je peux passer là? Non, je peux pas passer. Alors, il faut que je prenne ça. Je vais mettre là. Ensuite, on fait ça. Donc l'autre, je dois pouvoir l'avoir. Ah oui, d'accord, d'accord, oui, d'accord. 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 Ok. Voilà, comme ça, celle-là, je peux la choper. Je fais comment pour ouvrir la porte maintenant? Bah j'ai... Oui, quel con. J'en ai pas besoin, vu que j'ai les deux. Et oui. C'est vrai que ça fait penser à Portal. Sans les portails, évidemment. Mais... Donc ça, ça va s'abaisser. Ok. Oh, c'est sympathique. Ah, c'est vraiment bien, hein. Je pensais pas que c'était un jeu comme ça, en fait. Ouais, là, c'est... Non seulement je suis plutôt impressionné. C'est des trucs assez bien pensés. Franchement, je suis agréablement surpris, hein. This is the command center. You can check on the crew status from here. Je pensais que c'était plus un jeu d'exploration en fait, moi. Je pensais pas que c'était des puzzles comme ça à la Portal. Tom, start recording. I am always recording, Daniel. The day is January the 6th. My watch says it's 2:30 on Earth. Here we are, members of the human race, standing on Jupiter's moon Europa. I am Captain Daniel McLean. I'm joined here by the rest of my team. It is our intention to make this moon our home and investigate life on this planet. Man's curiosity and appetite for discovery will continue to change our world for the better. Inspiring. And might I add my congratulations to you all. Here it is. Beautiful, isn't it? What makes this one more remarkable than the others? The way it attaches itself to other organisms. Its behavior is very abnormal. It seems to form a symbiotic relationship, most likely. How do you mean? Do you want me to dumb it down? I know what it means. What does it do? It attaches itself to almost anything living, but it's not parasitic. It's quite alien. I'm trying to figure out what effect it has on my form. Mikhail, you seem distant. Do I? Yes. What's wrong? What's wrong, Mikhail? Mikhail, what's wrong? Are you listening, Mikhail? Are you able to hear? Ça fait peur. They don't know what to do with this. The magnitude of the discovery. We should send samples back to Earth. I think we need to get this to a better lab. Me and Sochi are having trouble making enough clones. I'm gonna run out of the necessary resources to continue studying Organism 119. They're calling for a grounding of all Europa transport until they get your report. Seriously? Yeah. That's rather drastic. Mm-hmm. Joli comme ça. On voit rien, bien sûr. On ne voit rien du tout. Touchir, ok. Touchir, ok. Touchir, ok.
On va te tirer, mais après avoir te tirer. Il faut te tirer partout en fait. C'est quoi ça? Aucune idée, une batterie. Ça c'est nous. Body température moins 160 degrés parce qu'ils sont congelés, ils sont en phase de cryogénisation, je sais pas quoi. Ouais, ça donne le torticolis là. C'est une japonaise. Body température, moins 20. Oui. Les japonaises sont réputées pour être très froid. Mais eux, ça fait plus en fait photo, à part elle. Eux, ça fait très photo, mais elle et nous, ça fait pas du tout photo en fait, ça fait moche. Ça fait moche. Ça, c'est quoi ça? Un petit casque. On peut encore aller là. Ok, donc là on va continuer avec les énigmes. On va te tirer, tiens, c'est encore là. Le mug. C'est quoi ça? Un truc chelou. Hein. Des feuilles blanches. Moi je veux bien qu'il laisse des trucs par-ci par-là, mais qu'au moins il y ait des indices ou... Enfin je sais pas quoi. C'est un bug ou... Quoi? Ah d'accord. Il y a des trucs qui s'affichent ici en fait. Ah, d'accord. Fortuna. Ok. Ok. Donc là, c'est Europa. Europa, base, module, ok. Bon bah on va refaire des tests hein. Le temps de chargement de la mort qui tue avec le chapitre complet 1. Chapitre terminé, chapitre 1. Bon, on va continuer. What condition should I expect to find the ground crew in? Daniel went missing days ago. Chris is presumed dead. We are expecting to find Sarah, Mikhail, and Sochi in a stable condition. Chris is dead? He was involved in an accident. Ça commence à s'agrandir là au niveau des. Au niveau des pièces. Alors attendez. Ok, donc si on fait ça, ça se ferme à gauche. Ok, ça se ferme à droite. Ok. De là, je peux choper la boule. Je vais faire pareil ici. Sauf. Est-ce que de là je peux choper la boule? Je peux la choper. Ouais. Bon, ça va. Facile! Attends,
Est-ce que je peux choper plusieurs boules en même temps? Ah, c'est bon à savoir ça aussi. D'accord, donc c'est bien jusqu'à 3 à mon avis. Quoi? Could we take a more direct way to the ground team? Unfortunately, there is not a direct route. The base is buried under ice to protect it from the radiation of space. Similar to the Mars base. Similar. Europa's base is slightly deeper into the surface. There is more radiation present from solar events on Mars. But Mars's surface is denser than that of Europa. Oh putain, encore ce truc. Ok, donc il est là-bas. Pam, pam, pam. C'est rapide. Plus à droite, ça devrait être bon là. Voilà. Voilà. Donc là, il y en a un autre. Donc, ça va être pareil. On va le mettre ici. Là. On devrait pouvoir le choper. De vrai. Ok, parfait, parfait. Bon, par contre, je sais pas ce qui se passe maintenant. À chaque fois qu'il y a le troisième truc, oxygen, the food stores, waste management. Everything seems to be in order. There was a small problem with the food stores, but the crew fixed that up. We successfully transitioned over to a sustainable, small, artificial ecosystem a year ago, growing fruit and vegetables. It helps boost morale, amongst other things. The crew members could hypothetically survive here for their whole lifetimes. Ah non, c'est vraiment sympa. Waouh. Waouh, 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 waouh. 3. 3 boules. On va en devenir ma boule. Alors... Oh la vache, ok, ça, ça bouge. Parce que si j'enlève ça, ça bouge encore. Ça ne bouge plus. Donc, la toute dernière boule, ça sera celle-là. Ok. Sinon, on ne pourra pas passer. Alors, ici, ok, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien. On joue au foot. On va te mettre là. Non. Là. Donc là, il n'y a plus rien à faire pour le moment. Ça, on va le faire bouger à gauche. C'est
C'est la folie là. Il y a plein de gens qui me parlent. Donc oui, dans les moments comme ça, j'utilise mon nez pour faire bouger ma smartwatch. C'est pas mal, c'est ma troisième main en fait. Attendez. Est-ce que ça? Il faut mettre une boule dedans. Là. Voilà. Je crois que j'ai compris. Alors ça, du coup, on va le prendre avec nous. Voilà, on va le foutre ici. Du coup, ça, on va le mettre là. Ça, on le prend. On le met là. Voilà. Ça, on le met là. Ça, on le met là. Oh lo 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 lo. Ça, à gauche, je me demande si c'est pas le nombre de pièces qu'on a fait. 2. Peut-être, je crois que c'est ça. The overseer of this mission is to work for the ISA. I am the ISA's feet and hands. The distance between Jupiter and Earth make it inappropriate for the ISA to directly interface with the mission directives. As my AI core is stationed on Europa, I can make decisions instantaneously about the running of the base. Je vais prendre celle du bas. On va voir si cette porte. Ah ok, d'accord. Ah bah du coup ouais, c'est bon. Ouais. Je vois pas à quoi ça servait le mécanisme en bas. Elle est pas finie. C'est la même pièce ça. Oh. Ok, d'accord, c'était la même pièce. Waouh, attendez là. Attendez. Mais il va me manquer une boule. Parce que là, il y a une boule. Attendez, j'ai pas de boule là sur moi. Et là-bas, il en faut deux. Ok, donc du coup, maintenant, je sais à quoi ça sert, hein, le truc pour les pieds. Là. Mais il va me manquer une boule. Non. Ça, je le mets là. Ça s'ouvre.
quand même. Je vais reprendre la boule de tout à l'heure. Déjà. Ah. Voilà. Bon, là, je peux remonter en haut. Ouah ! Oh la vache ! Quoi ? Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Sans ça, je peux pas passer, je peux pas monter en haut. Et pour ouvrir la porte, il faut deux boules. Et pour ouvrir la porte suivante, il faut encore deux boules. Ah, on peut les choper de là. Hein ? Ah, d'accord. D'accord. J'ai pas vu, ouais. J'ai pas vu qu'il y avait une fenêtre. On avance bien, dis donc. On avance bien. Il est 11h. Ça fait une heure. 61 minutes. How does the ISA know you're going to make the right decisions here when they can't communicate with us? Interestingly, I have a twin on Earth. His name is Michael. The ISA uses my twin to check firmware updates before they upload them to myself. There is a simulation of this mission on Earth, running at all times to check my expert systems. Naturally. As any modern artificial intelligence running on a quantum computer, I do also have a large amount of evolutionary algorithms at my disposal. However, they were deemed as too unreliable for general use in the mission. Why is that? Biological systems produce biological results. Messy, unpredictable solutions. Not suitable for such a mission. Bon voilà, il a fini son petit speech, notre ami Tom, avec son frère Michael. Donc je vais faire une petite pause et je reprendrai, je pense, dans à peu près une dizaine, vingtaine de minutes. Comme ça, je vais voir en fait si tout a bien marché au niveau du son, au niveau de la capture et tout. Et je ferai quelques peut-être ajustements, donc suivant. Hein. Mais sinon, voilà, je suis plutôt surpris. Je pensais pas que c'était un jeu du genre Portal. Franchement sympa, très très sympa, ça fait travailler le cerveau, très très bon jeu, franchement pour l'instant, en plus gratuit, hein, avec le gold, donc je viens de sortir à peine un mois, que demander de plus. Voilà, donc c'est une petite vidéo sur The Turing Test, enfin, une petite vidéo, ça sera une longue vidéo sur The Turing Test, donc, moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.